Et en fait, les héritages familiaux, c'est quoi? Les héritages familiaux, c'est tout ce que nos parents, nos grands-parents nous lèguent. Alors, ils peuvent nous léguer, par exemple, des biens. Ils peuvent aussi nous léguer un métier, par exemple. Et là, c'est une transmission qui est consciente. Nos parents nous lèguent. Mais la question, c'est, qu'en est-il des autres choses qui leur concernent? Qu'en est-il des blessures non résolues? Qu'en est-il des traumas, des non-dits qui sont là, en fait, dans la famille? C'est-à-dire que l'intention lui-même n'est pas de léguer cela. Mais qu'est-ce qui fait que d'une certaine manière, la transmission se fait? Donc, du coup, se pose la question de, quand on est de l'autre côté, qu'est-ce qu'on hérite de? Il y a un héritage conscient dans la mesure où on se dit, ah, j'ai envie de faire le même métier que ma mère ou mon père. Donc là, il y a un héritage conscient. Mais il y a aussi un héritage inconscient dû aux mémoires cellulaires. Et donc, se pose vraiment la question de, qu'est-ce qui fait qu'est-ce que l'enfant hérite en fait? Qu'est-ce que l'enfant récupère ou pas? Est-ce que finalement, l'enfant est complètement assujetti à cette transmission? Est-ce qu'on est impuissante à cette transmission transgénérationnelle? Est-ce que cet héritage familial se fait à notre insu? Est-ce qu'on est impuissant? Est-ce qu'on peut s'en libérer? Est-ce qu'il y a possibilité de faire un tri en fait au niveau de ce qu'on récupère et de ce qu'on donne? Parce qu'il y a la notion de je lègue et il y a la notion de j'hérite. Je lègue donc je donne, j'hérite donc je reçois. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois? C'est les questions à laquelle vous allez avoir des réponses à la conférence que je vais organiser sur se libérer des héritages familiaux. Je serai ravie, en tout cas, de vous rencontrer, de partager ensemble. Je vous donne rendez-vous à la conférence que j'organise le jeudi 24 septembre à 20 h. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire là immédiatement. Merci. Si la vidéo vous a plu, si ça vous parle, je vous remercie de liker, de mettre un commentaire et aussi de partager la vidéo et de vous y inscrire. Moi, je serai ravie de vous rencontrer et de partager toute la richesse de cette information parce que la transmission est au cœur de notre vie. Voilà. Je vous dis à très vite. Au revoir.